随着中央电视台法语频道国际影响力不断扩大，海外观众数量逐年增加，中央电视台于2012年6月起开展法语国际频道海外观众有奖收视调查活动。本次活动得到全球法语国家和地区的观众积极响应，法国、德国、比利时、几内亚、刚果金、喀麦隆等23个国家的711位热心观众提交了有效问卷。通过3个月的活动组织和开展，法语频道和海外传播中心已完成翻译、统计等工作，并评选出海外幸运观众，邀请他们来华参加活动。Bonjour, je m'appelle Sylvia, je viens de Trèves en Allemagne. Je suis très contente d'être là. Alors, je m'appelle Oscar Tracine, je suis belge et j'habite à Luxembourg. C'est la première fois que je viens en Chine, à Beijing. Je suis très heureux. On voit que vraiment Beijing, c'est une très grande ville. La démence dans les dimensions, dans tout, le gigantisme, le modernisme. La chaîne CGTV français, que je regarde depuis 5 ans, ça me permet peu à peu de modifier mon opinion de la Chine et de la civilisation chinoise et de la façon dont la Chine avance actuellement. Ce qui est pour nous un très grand intérêt. Cette fois-ci, j'aimerais bien voir vraiment presque toucher le grand muraille, parce que je veux sentir que c'est bien là. J'ai bien vu dans les émissions, mais je veux bien sentir que c'est réel. C'est vraiment essoufflé, quoi. Nous sommes dans la plus belle ville de la planète, Pékin. Je me trouve derrière, juste devant la CCTV Tower, qui est vraiment magnifique, et donc qui sera bientôt votre siège. Et puis,
vraiment bonne chance à vous. Bye. 1, 2, 3.